Mais c'est une petite ingrate. C'est une petite ingrate, cet enfant. 9 mois de grossesse et tu te permets de mettre des énormités sur un plateau. Maman, si je ne te le dis, je te prends pour ça. Je ne t'aime pas. À combien de reprises est-ce que j'ai essayé de t'approcher, tu m'as rejeté. Les amis, bon dimanche. Cette vidéo va vous donner beaucoup de sensations. Regardez attentivement et laissez-moi vos impressions en commentaire. Je vous prends juste après. Je dis, c'est une vidéo qui va vous donner la chair de poule. Regardez. Je vais aller droit au but. Maman, j'ai quel âge aujourd'hui? 24 ans. D'accord. Maman, tu en as combien? Nathan, ne me dis pas que tu m'as appelé, c'est pour me poser des questions. Tu sais très bien quel âge j'ai. Je suis une femme de la cinquantaine. D'accord. Maman, je suis une jeune fille en fait. Quand tu prends le temps d'observer tes accoutrements, tu prends le temps d'observer ton comportement à la maison, quand tu regardes tes entrées et tes sorties, est-ce que ça correspond avec ton âge? Mais, dites-moi un peu, demoiselle. Qu'est-ce qu'elle a, cette enfant? Elle va bien? Madame, est-ce que ce que votre fille dit est vrai? Parce que c'est vrai que là, vous êtes bien habillée, mais j'ai comme l'impression que d'une part, elle pourrait avoir raison. Ah, mais c'est pas possible, ça. C'est une flatterie, parce que moi, je trouve pas, en fait, que tu es bien habillée. Regarde comment tu... La preuve, en est, regardez. Regarde comment tu es bien habillée. Tu m'arrêtes ça, tu as compris? Tu m'arrêtes ça. Mais ça, c'est... Ne me manque plus de respect, hein. Je suis ta mère, je t'ai porté 9 mois. Est-ce que tu m'entends? Maman, quelque part, je peux dire que j'ai honte de toi. Maman, tu ne sais pas t'habiller décemment. Regarde-moi. Regarde-moi, par exemple. Donnez-moi au moins... Regarde. Tu t'es déjà habillée comme ça un jour depuis que mon papa il est décédé? Ça fait aujourd'hui 10 ans que j'ai perdu mon papa, ton feu mari. Et depuis l'heure où il est mort jusqu'aujourd'hui, tu n'as plus jamais porté un vêtement décent. Les sorties, tous les jours, tu es en boîte de nuit. Tu côtoies les... En fait, ceux que tu côtoies comme tes gars, ce sont mes égaux en âge, de la vingtaine à 20 à 25 ans. Une femme de 50 ans. Dehors, là, tu n'as pas trouvé un monsieur responsable qui pouvait remplacer mon papa. Parce que je te rappelle qu'aujourd'hui, si tu dois te mettre avec un homme, c'est en tenant compte du fait que tu as une fille qui a plus de 20 ans à la maison. Au moins, maman, qui soit au moins dans la soixantaine et non dans la vingtaine. C'est bon, là? C'est pas bon, maman. Parce qu'en fait, regarde comment tu me parles à mon dos vision. Regarde, par exemple, comment tu es habillée présentement. Ça reflète ton âge. Elle a 50 ans. 50 ans, maman. Regardez comment elle est habillée. Quand tu auras fini, tu me dis. Quand le corps n'est pas dehors pour elle, elle n'est pas habillée. Tu imagines comment papa, là où il est, un seul instant, avec quel œil il te regarde? Tu penses à lui. Tu penses à mon père. Écoute-moi, petite fille. Et écoute-moi très bien. Je suis ta mère. Et je fais ce que je veux. Comme je veux. Quand je veux. Et surtout, avec qui je veux. Tu n'as aucune leçon à me donner, petite ingrate que tu sois. Non. Mais dis-moi un peu, tu es si jalouse que tu l'aimes de ta propre mère? Ah bon, maman? Mais c'est pas possible, ça. Parce que tu trouves jalouse, que je peux être jalouse de toi? Juste un instant, pub, et on se prend après. Bienvenue dans la région de l'Ouest, plus précisément à Bafoussam. Tous ceux qui désirent se lancer dans la musique ou apprendre à jouer aux instruments de la musique tels que piano, guitare, batterie. Ceux qui veulent apprendre à chanter, à danser. Dirigez-vous rapidement au centre académique de Mana Music, situé à Bafoussam au lieu dit Tamja. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Notez bien, tous les enfants qui fréquentent leur formation se passent uniquement le week-end à Mana Music Academy. Ok. Jalouse de ta propre mère. Fanny, mais fini, tu es dans la cinquantaine. J'ai encore toute la vie devant moi. Pour atteindre ton âge, je me fais encore 25. Je suis encore toute la vie devant toi. Que vais-je t'envier? C'est pas possible. Je te rappelle que je suis même déjà fiancée, mal. C'est vrai que je suis pas encore mariée, mais au moins je suis fiancée. Je vais t'envier quoi? Dis-moi un peu, ma chérie. Est-ce que je suis responsable du fait que quand on me regarde, je suis une femme désirable? Est-ce que je suis responsable du fait que Dieu m'a donné et il a tourné le dos? Devant pourquoi est-ce que tu n'es pas contente d'avoir une mère telle que je suis? Pourquoi tu ne te réjouis pas du bonheur que je ressens actuellement? Et tu pourquoi tu es si méchante de toi? Quel bonheur? Tu appelles quoi bonheur, maman? La vie de débauche? Sortie tous les soirs et rentrer à 3h du matin, c'est ça que tu appelles une vie? Quelle est la loi qui... Quel est l'exemple que tu me montres? Quelle est la loi qui interdit de sortir et de rentrer à son heure voulue? En fait, c'est de ce côté que tu veux te caser, quoi. Quelle est la loi qui l'interdit? Tant que la loi ne le dit pas, tu ne le feras pas. Mais si je ne suis pas hors la loi, où est le problème? Madame, est-ce que vous reconnaissez au moins ce que votre fille est en train de dire là? Mais c'est une petite ingrate! C'est une petite ingrate, cet enfant! 9 mois de grossesse et tu te permets de mettre des énormités sur un plateau!
tu m'as rejeté? À combien de reprises? Qui es-tu pour que je t'écoute? Je suis ta fille et je te rappelle, je suis l'unique. Ah! Si tu ne m'écoutes pas, vraiment, qui va t'écouter? Je commence à me poser la question à savoir si je n'ai pas eu un changement d'enfant à l'hôpital. Madame, apparemment, physiquement, tu me ressembles et je pensais que tu me ressemblerais à fond. Madame, je suis franchement déçue. Sais-tu combien de jeunes filles aujourd'hui aimeraient avoir une maman comme moi? Je te rappelle qu'avant de décès de mon papa, tu sais pas comme ça. Sais-tu combien de mamans de mon âge aimeraient avoir le corps que j'ai? Ah bon? Est-ce que tu as une idée? Je veux bien la voir, mais je vais la valoriser. Est-ce que toi, ma fille, tu penses qu'à mon âge, tu seras comme je suis? Plus que toi-même. Madame, j'ai pas besoin d'exposer mon corps pour montrer que j'ai de la valeur. Je doute. Madame, est-ce que le comportement que vous avez là maintenant, c'est pas la résultante de quelque chose que vous avez vécu de par le passé? Est-ce que vous avez vraiment eu le temps de jouir de votre jeunesse? Elle a parlé de son père tout à l'heure. Je tiens à te rappeler que quand je rencontrais ton père, j'étais la fille la plus belle du quartier. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, toutes les années que tu as passées avec mon papa, tu n'étais pas belle. Par amour pour ton père, il m'a séquestrée. En fait, il m'a enfermée. Il m'a empêchée d'être réellement qui je suis. Donc, maman, tu n'as même pas je le suis respect pas... pour l'âme de mon père qui revient. L'âme de ton père, ce père dont tu parles, m'a connue telle que je suis. Je ne suis pas devenue ce que je suis. Maman, je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Je l'ai toujours été. Madame, s'il vous plaît. Je madame, ne suis pas devenue ce madame, que je suis. Madame, s'il vous plaît. Madame, est-ce que vos amis s'habillent exactement comme vous? Mes amis? Oui. Dans vos réunions, avec dans vos associations, comment est-ce que vos collègues, est-ce vos que, amis est-ce que vous imaginez combien de mes amis m'envient? Est-ce qu'on va avoir une idée? Parce que vous vous habillez comme une jeune femme? Oh mon Dieu. Et vous envie pourquoi? Parce que vous êtes très belle? Parce que vous êtes plus belle qu'elle? Est-ce que je vais refuser le fait que je suis une belle femme? Est-ce que je vais refuser? Vous êtes très belle, ça c'est... Et mais pourquoi vous m'en voulez d'être belle? Pourquoi vous m'en voulez? Pourquoi vous m'en voulez? Madame, vous savez, vous pouvez être belle. Mais est-ce que je me suis créée? Madame. J'ai été créée par un créateur, il a choisi de me créer telle que je suis. Maman, personne ne t'en veut. On essaie juste de te montrer la réalité en face. Comporte-toi comme les femmes de ton âge. Tu as 50 ans. Tu n'en as pas 15, ni 25. 50! 25 ans de plus que moi. Les femmes de mon âge. Regarde juste ce dans que je vais te rappeler, c'est que je peux faire ce que les femmes de mon âge font. C'est un point. Et les femmes de mon âge ne peuvent pas faire ce que je fais. Ça veut dire que j'ai 2 sur 0. Je suis une grande dame et tu ne me manques pas de respect. Je suis une grande femme et tu ne me manques pas de respect. Et que ce soit la dernière fois que tu me mets dans une pareille situation, je t'avertis. Tu sais quoi? Le contraire m'aurait étonné. Quelque part, je m'attendais à ça. Ouais. Je vous l'ai dit plus tôt, elle n'écoute personne. Donc elle a l'habitude de réagir comme ça face à toute situation qu'elle vit. Exactement. Si moi, sa fille, elle ne réussit pas à m'écouter, encore moins à Mondovision, combien de fois si j'avais fait une réunion de famille, ça aurait été pire. Attends, quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Hein. Tu penses que moi, à ton âge, je fréquentais avec le genre de saleté avec qui tu fréquentes là? Pardon, maman. Je ne regrette pas mon choix. Je l'aime. Je me sens à l'aise. Je sais même que je suis plus à l'aise que toi. Parce que quand je regarde le genre de vie que tu mènes, je peux pas t'envier. J'espère que tu n'auras pas de regrets quand tu auras 50 ans. J'espère que tu ne seras pas une femme aigrie quand tu auras 50 ans. Je te le souhaite. Parce que j'ai peur que... C'est bien qu'on arrête à ce niveau. Vraiment, c'est dégueulasse. Quand je pense que beaucoup de mamans dans leur foyer rêve avoir une fille de 24 ans. Ou bien une fille comme cette petite qui résonne de cette façon. Hey, Seigneur, je vois plutôt le contraire. Pendant que les mamans sont dans leur foyer en train de se battre pour donner une bonne éducation à leurs enfants, à leurs filles, c'est plutôt le contraire que je suis en train de voir devant moi. C'est plutôt la fille qui essaye de se battre pour donner une bonne éducation à sa mère. Après, vous allez voir les petites filles à mini-femme versées partout là-bas, dehors, faire la prostitution, vous allez les insulter. Voilà le résultat. Tu as une mère, tu as eu la chance d'avoir une fille et elle va loin d'insulter même le fiancé de sa fille. Hey, Adama, ce n'est pas un rêve ou quoi? Moi, j'ai vu ça comme un film. Donc, si c'est vraiment la réalité, mais je me demande si la mère là a perdu peut-être 2 sens. Est-ce qu'elle est encore vraiment normale? Mais je me dis que peut-être vraiment c'est le résultat de ses frustrations du vivant de son mari. Mais moi, vraiment les amis, dites-moi un peu si vous comprenez vraiment ce qui se passe là. Voilà une fille, on a combien de jeunes filles de nos jours comme ça, qui réfléchissent comme ça?
qui sont bien. Bon, je ne sais même pas qui a éduqué cette petite fille, mon frère. Moi, ça me dépasse. Tu as une maman vraiment bizarre comme ça. Et comment se fait-il que tu parviens à avoir un bon comportement? La fille, si la petite fille si que vous voyez là a de l'avenir. Adama, s'il vous plaît, mettez en commentaire vous-même ce que vous avez ressenti. Parce que cette vidéo m'a choqué. C'est pour cette raison que j'ai tenu vraiment à vous présenter cela. Merci de partager. À la prochaine. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.